Ok. Il veut qu'on passe par là, donc j'imagine par là ça sera plus court. Ah. Quoi ce TP qu'il faut rire. Deuxième essai. Et bah c'est parti pour un long voyage. Du coup on est en quelle ville? On est cette ville là et on va où? Un truc qui ressemble à ça, ok. Je l'ai. Et... bah il y aura un TP là où on va. Et on est obligé de passer par l'autre truc. Ah, c'est ça. Bon bah c'est parti pour la rush. Là, pour la rush. Tour marathon. Il me faut du temps pour faire ça. Gator. Pourquoi on disait ça? Ah, dans PUBG. J'ai passé toute une game à courir. Oui. On peut pas activer le truc? Et pour moi, il est déjà activé, hein, donc. Ah, il est déjà activé. Un des premiers d'ailleurs. Il me faut plus de temps. Il est blanc quand il n'est pas activé sur la carte. Blanc. Et là il est gris. Il est aigri. Il me faut du temps pour faire ça. On va mettre le temps sur le GPS. Le temps d'arrêt. Tournez à gauche. Non, juste là. Il me faut du temps pour faire ça. On va mettre un mini-jeu. Oui, oui, il y a un truc en bas. Descendez, descendez. Je peux vous voir clignoter sur la carte. Le doute. Je dois attendre un moment. Oh, je pense. Je dois attendre. Ah, légendaire. Je ne suis pas encore prêt. Il commence à s'en servir avec tout ça. Combien il est bon là. Je dois attendre un moment. Ok. Attention. Waouh. Légende vivante, c'est beau. C'est retard, ouais, c'est bien. 534, ah oui, je passe d'un objet 29 à 37. Les compétences principales infligent des dégâts supplémentaires pour chaque compagnon actif. Ouais, mais il n'y en aura qu'un. Ah, et donc il doit donner un point sur Tornado. Ça ne m'intéresse pas. Non, mais c'est juste pour la beauté du légendaire. J'en ai rien. Il me faut du temps pour faire ça. Je vais d'avoir une hache demain, mais ça m'intéresse pas. Bon, les compétences dessus, je les retire à chaque fois. Et, Il me faut plus de temps. C'est ce que je vais faire. Je verrai, je verrai à la fin qu'est-ce qu'il y a de bien sur le perso. Il me faut du temps pour faire ça.
Il me faut plus de temps. Ah. Et on est encore trop loin. Pourquoi c'est moi, j'ai vu la quête bouger. Pardon. Ouais, ça fait un détour. Y a pas de chemin en direct. C'est vraiment une grande zone vide. Sans doute le palais d'ailleurs. Il me faut plus de temps. Donc on est obligé de tout contourner. Pourquoi il est bizarre lui ? Quoi ? Il est bizarre lui. Ah non, c'est un surarmure. Il me faut du temps pour faire ça. D'où le long voyage. Ah ! Oh ! Je suis coincé. Ah, tu me balancer tes toiles. Ah, gros deal. C'est pas marrant. Ah oui, il est mort. Le jeu du jeudi. Il me faut du temps pour faire ça. Du jeudi peut-être. Du jeudi peut-être, ouais. Il me faut plus de temps. C'est bizarre de voir des gens qui nous attaquent pas. Ça me choque. Oui. On a pris le mauvais chemin. Oh mon dieu. Non. Le portail s'en va. What? D'accord. T'es par où là? Il faut descendre là. Il me faut du temps pour faire ça. Tourner en arrière. Hein. Et là, et du coup, on a le tout à faire. Il me faut plus de temps. Oh bah, suis désolé, Sorga, mais je n'enverrai plus personne. La tyrolienne. Puissiez-vous trouver la non-tyrolienne. Paix encore retrouvée. Alors, comment elle s'appelle? Bon, l'autre, elle est chiante avec son pseudo là qui est au-dessus. Jo machin. Non, c'est Girandaï, ça n'a rien à voir. Hop, validé. Ok. Donc on est ici. Ouais, on a encore du chemin. On a encore du chemin. Mais là maintenant c'est du direct. J'ai besoin de contourner. Il me faut du temps pour faire ça. On fait une esquive longue. Deux fois courte. Il me faut plus de temps. Ah. Il me faut plus de temps. Voilà. Je peux pas le sens dans la toile d'araignée. De la zone. Là, ouais. Hop, couché. Bonjour. Bah c'est le rat, comme d'habitude. Avez-vous appris quelque chose sur le palais d'Elias? Surtout des rumeurs. On raconte qu'un sorcier vit dans un palais majestueux, au-delà de la tempête de sable infini. Un de ces nomades pourrait nous aider à y aller. Ils connaissent ces terres mieux que... Taïssa?
demande, Ariel. Je l'entends. J'ai besoin d'un lieu où me concentrer, où je peux garder sa voix sous contrôle. Cherchez un guide. Je vais trouver de quoi aider Thaïssa à faire le vide dans son esprit. Oui, bon, ça va mal finir cette histoire. J'ai besoin d'un guide pour traverser la tempête de sable au nord. Et cinématique est terminée par... ok. Cinématique terminée par Vold, ok. Bon. Voilà. Voilà. Bon, du coup... J'ai pas la suite. Je sais où trouver un guide. Oui, t'as ça. J'ai trouvé un lieu calme où elle pourra contrôler la présence d'Andariel. Est-ce vraiment prudent de la laisser ici? C'est plus sûr que d'avancer à l'aveugle dans le désert, du moins avant d'avoir trouvé un guide fiable. Ah, bah on peut encore aller plus loin, évidemment. On doit chercher un guide pour aller au nord et on va au sud. Logique. Est-ce qu'il y a un truc de Lilith dans le coin? Il est là-bas. Et là. Oh. Il me faut du temps pour faire ça. Ouais. Il me faut du temps pour faire ça. Il me faut plus de temps. Attends, fait du monde derrière vous. Pas question que j'aille balancer les corps dans la rivière encore une fois. Ah ça non. Je dois attendre. Oui, la porte. Ah oui. Étrange vieillard. Réveillez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai payé. Fichez-moi la paix. Nous ne sommes pas là pour votre argent. Il nous faut... Hein? Non. C'est impossible. Ce serait pas le symbole des hauts... Aura... Aura Dream? Les Aura Dream, voilà. Descartes? Descartes Kane? C'est bien toi, mon vieil ami! C'est moi! Mes chiffres! Non. Descartes n'est plus. Je m'appelle Lorat. Vous devez nous aider à traverser la tempête de sable au nord. La tempête de sable, hein? Les autres ont dû vous envoyer bouler. On vous a raconté des histoires de méchants sorciers, je parie. Eh ben, un sorcier pourra pas me faire plus de mal que le poids des années. Allez, je vais vous aider. Il y a une vieille chapelle pas loin. L'endroit idéal pour se lancer dans une nouvelle aventure. Bien. Rassemblez tout ce dont vous avez besoin. Je vais chercher Thaïssa et je vous rejoins là-bas. Ah, merveilleux! Quoi mon bon vieux temps, pas vrai, Descartes? De l'os à la chair. Et on va où là? Ouais, on TP quoi. Non, t'as mis un point à gauche. Ah, c'était parce qu'il y avait un truc de Lilith, mais bon, c'était chiant. Hop, j'aurais dû l'enlever, voilà. Ok.
Il me faut du temps pour faire ça. Ah. On met du loot. Il me faut plus de temps. Dès l'instant où nous sommes entrés, Andariel s'est senti piégé. Mais ses hurlements ne sont plus que des murmures à présent. Nous foulons un sol sacré. Son influence sera moins forte ici. Tout le monde est prêt ? Je le suis. Maintenant, c'est à Thaïssa de décider si elle veut nous accompagner. Tout mon être veut traverser cette tempête et faire couler le sang d'Elias. Mais peut-être qu'il compte sur ma vengeance pour me ramener à lui, pour qu'il puisse finir ce qu'il a commencé. Il vaut mieux pour tout le monde que je reste ici. Il n'y a pas de honte à ça. C'est une sage décision. Nous vous apporterons sa tête. Ok. Et donc cette tempête, on la traverse ou pas ? Vous êtes prêts ? Et vous, vous l'êtes ? J'espère que vous avez les poches pleines de fioles de soins. Sinon, servez-vous dans celle que je garde sur ma bonne vieille Isabella. La tempête va empirer, je le sens. Quand elle commencera à faire rage, il faudra absolument trouver un abri, où il ne restera de nous qu'une pile d'eau blanchie par le soleil. Ok, il est en train de caresser un truc invisible, évidemment. Vous avez déjà traversé la tempête ? Non. C'est là, à côté. Il me faut du temps pour faire ça. Il n'y a pas qu'il faut des cœurs. Il me faut du temps pour faire ça. Ok. J'essaie de suivre vos pas, j'essaie de... Okay. Les vents gagnent en force! Suivez-moi! Il est lui-même foncé dans... Je dois attendre un moment. Des potions de soins qui vont tomber, c'est parce quoi ? On enchaîne. Serait-ce possible ? Mais oui, ça l'est ! Les dieux nous sourient, mes amis. Buvons un verre ensemble, Descartes ! Trinquons à cette nouvelle aventure, entre la vie et la mort ! Non, merci. J'ai assez bu. Ah bon ? Allez-y. Ah, mais je suis pas du genre à refuser une offre pareille. Okay, pourquoi je t'entends utiliser des potions toutes les deux secondes? Trombadère. Il soigne? Bah, y'a rien que Trombadère. Bah, y'a plus là. Il soigne plus pile au moment où tu testes. Ah, enfin, oui, d'accord, ok. J'ai pas dit.
Mais lui, tu pourrais pas l'accélérer plutôt? Nous, j'ai essayé, ça marche pas. D'ailleurs, au bout de. On ira sans doute pas. Un truc de Lilith. Hein. Ah. La tempête se lève à nouveau! Vite! Par ici! Mais encore. Oh non. Oh non. Non. Il faut faire demi-tour. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma pipe. J'ai laissé ma pipe dans la chapelle. Il faut y retourner et la récupérer. L'ancien. Essayez de tourner seulement les talons, et je vous plante un couteau dans le dos. Bon, d'accord. Mais je n'oublierai pas cette trahison, Descartes. Et tu le sais. Allez, on y va. Y a un truc de Lilith ici. Voilà. Non, je l'ai mis le point. Ah oui. Il me faut plus de temps. Il me faut plus de temps. Il me faut du temps pour faire ça. Nous sommes assaillis! Protégez Isabella! Bien sûr, on va profiter pour cocher le truc. Il est temps de partir, non? Suivez-moi! Il me faut plus de temps. J'ai plus de potions. Oh, bah moi j'en ai pas plus. Tu veux que je te donne la mienne? Il y a le caressel dans ma dernière. Ah, Descartes. Te rappelles-tu le goût de l'air salé de l'océan? Aucun démon, aucune créature ne pouvait s'opposer à nous. J'ai parcouru le monde en... J'ai vu des choses que tu n'imaginerais pas. Mais c'était pas pareil. J'errais sans but. Je ne faisais... qu'attendre. Oui, c'est important d'avoir une direction à suivre. Un pied devant l'autre. En vrai, mon vieil ami. Si on s'arrête de marcher, on meurt. Bon. On dirait que les vents se calment. Oui, non, c'est dans le script plutôt. Ne vous éloignez pas. On est bientôt arrivé. Hein. Il me faut du temps pour faire ça. Continue à avancer au moins. Oui, non. Le gars reste avec. Cas où. Pourquoi tu m'affiches ça? Laura, tu. T'en Ah oui. Il y a TP. Je dois attendre l'arrivée de mes alliés. Regardez-moi ça.
Oh, dire qu'un endroit aussi incroyable se cachait derrière la tempête. Une relique datant du Kégistan antique, peut-être. Perdue jusqu'à ce qu'Elias s'en empare. Elle doit contenir un trésor, non? Mes chiffres, ne bougez pas. Ne parlez à personne. Un grand danger rôde en ce lieu. Tu es devenu craintif avec l'âge, mon vieil ami. Mais ne t'en fais pas. Je vais me tenir à carreau. Lui, il est mort. Il y avait un autre dromadaire qui s'est incrusté dans la cinématique. C'est eux qu'Elias a choisi pour rejoindre son cercle d'élus. Celui en haillon ne survivra jamais. Maître Elias a œuvré au retour de Lilith à Sanctuaire. Il y a des gens vivants ici. Et c'est grâce à lui qu'un démon inférieur... Vous là-bas, attendez. Ah, oui. Je ne me souviens pas de vous. Nous avons échappé à cette tempête. Loué soit la mer. Ah, de nouveaux disciples. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Lilith nous a récemment honorés de sa présence. Elle était ici? Oh, c'était de toute beauté. Qui sait? Peut-être que Maître Elias consentira à vous la montrer à travers l'œil aveugle. S'il vous en juge digne, évidemment. Entrez et présentez-vous à lui. Coucou, c'est nous. C'était une vieille émission. Bon sang, c'est pire que je ne le croyais. Elias à l'œil aveugle, une ancienne relique magique. Du coup, c'était... Je me suis trompé de... Ok, validé. C'était à côté qu'on est passé. Hein? Il me faut du temps pour faire ça. Mère, bénissez-moi de votre puissance. On est chez les méchants là. Et j'accomplirai. Non, qu'est-ce qui te fait dire ça? Désir. Allez, nous attaque pas. Ah, bah donc on est pas chez les méchants. Ah, mais décidément. Avancez et venez affronter le jugement de Maître Elias. Oui. Mais ne montrez aucune peur, aucune hésitation. Oh, nous ne montrerons rien de tout ça. Pas d'inquiétude. Béni sois-tu, mère. Je ne te décevrai plus. La demoiselle arpentera ce monde. Je vais vous tuer de tellement de façons. Elias. Je savais que tu viendrais, Lorat. Tu nous espionnes avec l'œil aveugle, je me trompe? Tu crois vraiment que je gaspillerais une telle magie, Hans? Ton esprit est toujours aussi étriqué qu'à l'époque. Laisse-moi abréger tes souffrances, vieil homme. Ok. Oh, quelle surprise, un combat, je m'y attendais pas. Tu aurais dû rester dans ta cahute. Ressasser tes regrets. Mais attends, il a pas cette PV là. Il a plus de vie. Il va avoir une transformation. Ouais, il y a un truc qui cloche, un super démon qui va apparaître. C'est terminé. Bon. Partons à la recherche de l'œil aveugle tant qu'il est encore temps. Oui, nous oui. Ne pouvons pas l'abandonner à ces fanatiques. Attendez, je vois quelque chose. Mes alliés doivent être ici. Ah, pour c'est une nouvelle vision. Méphisto, diable, va. Imminente. Et pourtant tu doutes de moi. Il n'y a que les zélotes et les imbéciles qui ne doutent jamais, mère. Personne ne peut nous sauver.
Personne excepté vous. Je ne suis pas venu pour sauver, mais pour émanciper. Dans mon ombre, l'élite s'opposera à la souveraineté des enfers. Quant aux faibles, ils se débrouilleront. Andariel vit, Léoradrim meurt. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Ok. J'ai eu une autre vision. L'élite pense que les démons primordiaux vont détruire Sanctuaire. Et elle renforce l'humanité pour leur faire face. Voilà pourquoi Elias et elle rassemblent des adeptes. Ils créent une armée. Oui, Lorat. Les seigneurs des enfers menacent notre existence et nous tâchons d'y remédier. Elias ? Comment est-ce possible ? Tu ne comprendras jamais ce que j'ai accompli pour ce monde. Oh, quelle surprise! Et bon, on va tirer une fois. Ah bah tiens, c'est une souterie. Ah non. Oh non, c'est pas transformé là. C'est juste un champion. Je dois attendre. Oui, il tombe, je pense. C'est pas un vrai champion. Toutes ces années d'entraînement, et voilà tout ce que tu sais faire. Dis le mec qui est par terre. Je dois attendre. C'est toi qui l'as un truc plus de vie. Il ne fera pas de son champion. Je dois attendre. C'est lui qui va focus. Ça sert à le tuer, du coup. Non, c'est le champion de l'unité. Tu ne peux pas me tuer. Je dois attendre. Ah, c'est bon, c'est bon. L'autre, comme d'habitude. Je dois attendre. Eh, c'est bon ? Tu vas mourir à la fin, charogne ! Oui. Je ne pense pas. On ne bah, peut pas continuer à se heurter à lui comme ça. Il va nous épuiser. Il faut partir d'ici. Mais pas sans l'œil aveugle. Si nous nous en emparons, cela le privera d'une partie de sa puissance. Brillait une lumière qui ne leur offrait aucune chaleur. Mais en sa présence, un nouveau feu a embrasé leur cœur. Plus jamais ils n'auraient faim ou froid. Je sens le sang de Lilith couler en vous, étranger. Et de quoi ? Elle vous a béni de ce que je veux. Ouvrez-lui votre cœur. Acceptez votre nature. Jamais. Tu finiras par t'arrêter, par abandonner, comme toujours. Je dois attendre. Tu crois que me tuer de nouveau changera la donne ? Je dois attendre. Ça va finir par le pied, quoi ? Je dois attendre un moment. Je ne suis pas encore prêt.
puanteur. Ce n'est pas naturel. C'est de la nécromancie. Ce n'est pas naturel. Oui, puissance. Merci. Mieux là. Le volet ne servira à rien. Il est trop tard pour arrêter ce que Lilith a commencé. Je ne suis pas encore prêt. Peut-être que la carte est plus rapide. Ah, on n'avait pas le cas maintenant. Je dois attendre. Enfin, cette fois, t'as les. Il donne potion. Il donne potion. Voilà. Enfin, ça va. En vrai, lui. Peut-être. Allons. Je suis sûr que tu peux faire mieux que ça. Attention, pas. Je ne suis pas encore prêt. Je dois attendre. Je ne suis pas encore prêt. Le corps encore disparu. Le voilà. L'œil aveugle. Mes chiffres peuvent nous aider à emporter l'artefact loin d'ici, mais il nous faut faire vite, avant qu'Elias revienne. Cette ouverture là-bas est notre meilleure chance de sortie. Il n'a pas donné loot. Levez le voile. Oh putain. Ah non, c'est bon. Ouf. Ce n'était qu'un gros freeze. Freeze. Faites pression à cet endroit. Vous avez bientôt terminé l'acte 3. Merci. Mais non. Quelle surprise. Et... vous vous en êtes sorti. Vous l'avez tué, votre sorcier. Ne parlez pas. La tempête s'est calmée. Nous allons vous sortir d'ici. C'est pas de chance, hein. J'ai tué le mien, mais un peu trop tard. Ce rat m'avait déjà planté dans le dos. Lardé comme un rat épique. Ainsi va la vie. Hein, Descartes? Oui. Ainsi va la vie.
Ils vont arriver. Je prends l'œil aveugle. Il nous faut un lieu sûr pour l'étudier et l'utiliser contre eux. Retrouvez-moi à la chapelle du désert. Partez. Ok. C'est ainsi va la vie, gorgée. Oui. On va s'arrêter là. Bon, fini la quête quand même. Oui. Je veux dire, on va terminer. Vous l'avez tué. Des nouvelles. Oui, et plus d'une fois. Le problème, c'est qu'il refuse de rester mort. Il est plus puissant que je ne le croyais. Je l'ai sous-estimé. Oui, moi aussi. Mais au moins, nous lui avons pris quelque chose d'important, l'œil aveugle. Je pense qu'il s'en servait pour communier à distance avec Lilith. Un artefact magique des plus puissants. Et très dangereux. Peut-être pouvons-nous en tirer parti. Laissez-moi un peu de temps pour l'étudier. Les démons primordiaux se reformaient. Les enfers arrivaient. Mais Elias n'était la réponse à aucune prière. On juge le mérite des gens par leurs actions et non par leurs paroles. C'est aussi simple que ça. Elias se vantait de sauver le monde, en se tenant au sommet d'une montagne de cadavres. Puis vint l'aventurier. Tout ce qu'Elias n'était pas. Souillé par le sang de Lilith, mais capable de résister à sa corruption. Ses exploits me l'avaient prouvé. Et c'est alors que j'ai vraiment commencé à croire qu'ensemble, nous pourrions nous défaire de ce mal. Sa secte devait être particulièrement horrible. Pas plus horrible que le reste des bas-fonds de sanctuaire. Ah, justement, acte 3 terminé. Du coup, tu veux qu'on s'arrête là pour ce soir? Oui. Ok, bon, on va lancer la quête suivante. Et ce sera du coup à la quête suivante que on aura la monture. Bah je TP direct du coup en ville. Que tu prennes la quête d'abord. Bah non, non, non. C'est le début de l'acte 4, non du coup, je prends pas. D'accord. Il nous faut des réponses. Elias a utilisé. Ah, vous avez parlé à Thaïssa? J'ai pas parlé moi. Ça s'est validé. Ouais, c'est vrai, c'est pareil. Ah, c'est quand j'ai posé la question, c'était... Par contre, le jeu freeze tout le temps, c'est chiant. J'ai TP, hein, je suis plus là. Hein. Stop. Mmh. Tac. J'enlève le truc ici. J'ai des fourrures, des pots et de la... Une bonne affaire, que le père vous bénisse. Et... Récupérer du coup le... C'est le bloc en compétence celle-ci ? Les coups critiques avec les compétences principales augmentent la vitesse d'attaque, ce qui est pas mal aussi. Je sais pas si on est limité au nombre d'aspects en stock. Parce que si, du coup, ça va être chiant. Il faut les mettre dans la... On peut les stocker ? Non, je pense que... Je vais essayer, parce que du coup, vu que ça se met dans un autre onglet... Je transforme l'ordinaire en extraordinaire. Portez-vous bien. Regardez ça du coup. Oui, on peut. C'est 100 000. Ouais, bah je peux acheter un nouveau. Et nouveau. Cet onglet, non, non, c'est 200 000. Ouais. Ah là là. Comment tu vas faire? Alors, un plus, c'est 300 000. Un plus.
Ah bah non, c'est fini. C'est fini ? Oui. Bon, je vais mettre tous les aspects. Ok, c'est comme ça. Hop. Bon, l'onglet. Tu peux modifier l'onglet ? Tu peux le nommer ? Waouh ! Coffre 4, tu appelles sac. Appelle sac, coffre 5. Oui. Alors, aspect. C'est ça, les aspects ? Bizarrement, genre pour le clavier. Mmh. Bon, je vais mettre ça, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Merci. Mais non, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Attends. Là. T'as ouvert le chat ? Mais oui, mais il est devant, il est chiant, le chat. Mais il y a la caméra qui est devant. Ouais, ouais. Ah, c'est bon. Et je mets les jeunes dans celui-là. Ah, tu peux changer le logo, incroyable. Ah bah là, ils ont vachement évolué le truc. Hein. Et bon. Par contre, on est limité à 4 coffres. Hein. On regarde quand même dans la boutique, ça se trouve, il y a peut-être un supplémentaire. Pas sûr. L'aura indiqué là. J'ai combien de points à mettre là du coup ce soir ? 2 points pour grand chose. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là pour ce soir.